Bon, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre-Louis Dubasse-Fossard, notre conférencier, et Bonjour. Mathieu Schwartzmann et Patricia Morir, nos chers collègues qui vont intervenir à la fin de la conférence à travers des questions du public. Je te remercie, mon cher Pierre-Louis, d'avoir accepté notre invitation. Cela nous fait vraiment plaisir, cela nous honore beaucoup, même si en visioconférence. Bienvenue à l'Araquara, finalement. Et notamment au séminaire de sémiotique de l'UNESP, où tu vas nous présenter la conférence Ethos et intimité, un discours, l'expérience paradoxale d'une enquête identitaire ouverte à la décoïncidence. Quel titre et quel résumé, hein? Là, je suis vraiment très curieux. Et vous savez, mes chers collègues, Pierre-Louis, c'est un sémiotien très rare. C'est un sémiotien d'une passion de la sémiotique, vraiment, d'une culture, d'une telle érudition. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir vraiment des sémiotiens comme ça, comme on dit par exemple, chez Aristote, nous sommes des animaux politiques. On peut dire, chez Pierre-Louis Dubasse-Fossard, on est devant un animal sémiotique. Donc, pour moi, c'est incroyable, Pierre-Louis, de te recevoir à l'Araquara et un peu comme ça, dans notre contexte un peu familial de recherche. Vous le savez aussi, pour notre groupe de recherche en sémiotique, ici de l'UNESP, dans l'Araquara, assurer un programme avec des activités en français, c'est une forme de valoriser le français comme langue étrangère chez nous et en même temps de pouvoir élargir les publics et les débats concernant la sémiotique autour du monde. Vous savez, les collègues et Pierre-Louis, tu le sais, on a un programme qui mélange un peu le portugais et le français. Donc là, c'est un jour spécial parce que c'est une conférence pour les francophones. Donc c'est une forme aussi de dialoguer avec nos amis sémioticiens partout dans le monde. Et la notice bio-bibliographique de Pierre-Louis Dubasse-Fossard. C'est très résumé finalement parce que Pierre-Louis, il est auteur de plusieurs ouvrages, mais il faut qu'on le présente de toute façon au public brésilien. Pierre-Louis Dubasse-Fossard est professeur en sciences du langage à l'Université Lumière Lyon 2 et directeur du laboratoire ICAR à la NS de Lyon. Actuellement, il est coordinateur du séminaire international de sémiotique à Paris, président de l'Association française de sémiotique, vice-président de la section 7 sciences du langage au CNU. Une synthèse de ses positions théoriques est disponible dans la monographie Vers une écologie sémiotique de la culture, perception, gestion et réappropriation du sens. De Limoges, paru à chez Lambert Lucas en 2017. Ces recherches s'inscrivent à l'intérieur d'un projet de sémiotique des cultures qui vise à articuler trois approches épistémologiques. Première approche, l'étude des relations entre médiation linguistique et expérience perceptive. Deuxième, l'analyse des stratégies énonciatives et figuratives des textes. Et troisième, l'attestation de la description des pratiques de création et d'interprétation d'objets culturels par rapport à des institutions de sens spécifiques, des domaines spécifiques. En ce sens, son projet scientifique se développe sans discontinuité et depuis la publication du livre en italien, Il dominio dell'arte de Roma, paru à Rome et chez Meltemi en 2002. Parmi les initiatives éditoriales les plus récentes, on peut rappeler la direction du numéro 206 de la revue Langue française de 2020 et du numéro 221 de Langage, de la revue Langage de 2021, consacré à une linguistique et à une sémiotique du discours programmateur, aussi bien que la direction de l'ouvrage Créativité sémiotique et institution du sens dans la dialectique entre l'individuel et le collectif. Limoges, Poulim, 2021. Pierre-Louis, merci encore une fois. J'ai hâte vraiment de t'entendre, de t'écouter. À mon avis, je crois que pour nous, au Brésil,
Il faut qu'on écoute bien Pierre-Louis de Basso et il faut que dans les années qui viennent, on puisse te recevoir ici à Araraquara, au Brésil. Parce que, à mon avis, si je ne me trompe pas, tu es venu au Brésil que deux fois, hein, deux ou Oui, trois fois. deux fois dans toute ma vie. Voilà, bonne conférence à toutes et à tous. Pierre-Louis. Alors, merci beaucoup, Jeanne. Merci à tous les amis, donc Mathéus, Gustavo, Patricia et les autres pour cette invitation. Et j'espère de m'inscrire dans votre projet de séminaire qui est consacré donc à la subjectivité, à la notion d'identité. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et finalement, je préfère ne pas montrer un objet aujourd'hui, mais plutôt discuter, vous présenter certains aspects théoriques et faire un voyage ensemble. Donc, je n'ai pas la prétention, quand on fait un voyage, bien évidemment, on doit passer rapidement pour certaines, je veux dire, villes, par exemple, sans arrêter. Dans d'autres cas, on peut faire des haltes, on peut s'arrêter, on peut regarder de manière un peu plus précise. Donc, je n'ai pas la prétention de éclaircir tout un paysage théorique, mais de faire quelques passages et j'espère stimuler un peu la discussion sur un certain aspect. Alors, je voudrais commencer avec donc mon diaporama. Je ne sais pas si on peut le montrer. Merci, merci beaucoup. Alors, la première chose, je sais pas, pour passer d'une diapo à l'autre, c'est à moi de le faire. Peut le faire. Voilà, vous voyez le passage? Oui, très bien. Très bien. Donc, je peux faire comme ça. Et alors, première chose, l'arrière-plan de l'intervention. Donc, je voudrais vous présenter des dialectiques, des relations différentielles. Par exemple, la relation entre expérience et discours. On parle beaucoup d'une sémiotique du discours, mais est-ce qu'il faut construire de manière complémentaire une sémiotique de l'expérience? Et je voudrais thématiser ça avec vous, parce que peut-être la subjectivité est justement l'instance qui peut problématiser les conversions entre expérience et discours. La relation entre identité et image, dans votre argumentaire du séminaire, vous parlez beaucoup d'identité, je voudrais aussi introduire la notion d'image, la relation entre stratégie et vulnérabilité, donc un sujet stratégique, mais aussi un sujet incarné vulnérable, la dialectique entre l'espace privé qui est institutionnalisé et donc normé, mais l'espace intime qui semble finalement être constitué justement par l'entour d'un sujet qui sépare, qui veut se séparer, se distinguer par rapport à l'espace normé des institutions. Et enfin, associé au processus de socialisation de valeurs, un processus d'intimisation, d'introjection intime de valeurs. Là, sur le plan des objectifs, alors je voudrais présenter un cadre général pour la subjectivité en sciences du langage. Premier passage, on va dire. Deuxième passage, et essayer d'éclaircir certaines notions clés qui ont accompagné la réflexion sur la subjectivité en sciences du langage. Troisième question que je voudrais explorer, c'est la notion d'intime. Est-ce qu'il y a la possibilité en sémiotique de définir l'intime, de concevoir un rôle théorique pour l'intime? Et à la fin, quatrième passage, voir comment la constitution de l'éthos, éthos discursif, donc l'image de l'énonciateur à un discours, et sa dialectique par rapport à une sorte d'identité revendiquée, l'identité de la personne, disons, comment cette dialectique peut parvenir finalement déboucher sur un processus de décoïncidence plutôt que de coïncidence, plutôt de coïncider, de superposer les instances subjectives. Il y a plutôt un mouvement de dissociation, de décoïncidence. Voilà. Alors, voilà une suggestion graphique pour les relations entre expérience et discours. Mon idée est que les valeurs sont
à la fois élaborer une expérience à travers la sensorialité, la perception, et d'autre part, il y a des valeurs qui sont constituées et négociées à travers le discours. Bref, ma proposition est de penser la signification comme une sorte de va-et-vient entre des valeurs élaborées en expérience et des valeurs élaborées en discours, sous forme de traduction continue. Et donc, déjà, on voit les rôles de la subjectivité, parce que la subjectivité est, comment dire, capable, c'est la seule instance sémiotique qui peut apprécier les traductions. C'est comme l'idée de traduire une langue, par exemple, du français vers l'anglais. L'expérience de l'équivalence traductive est quelque chose qu'on peut essayer, on peut éprouver, on peut expérimenter, on peut évaluer seulement si on a une subjectivité, justement. Alors, voilà, je vous laisse ensuite dans les diaporamas éventuellement des références bibliographiques principales et plus générales. Le livre qui a été déjà mentionné par, par Jeanne, qui est un peu la base de ma présentation théorique, on va dire. Et maintenant, je voudrais en revanche commencer avec vous le voyage, qui est une exploration. Donc, il y a des choses que je connais bien, mais d'autres choses que je voudrais avancer aujourd'hui et les partager avec vous. Alors, les sujets dans les sciences du langage. Les sujets dans les sciences du langage, on a plusieurs positions, bien évidemment, pour inscrire la subjectivité dans les sciences du langage. Il y a des paradigmes linguistiques et sémiotiques qui sont subjectifs, des paradigmes subjectifs, et donc les points de départ est la subjectivité. Je pense à Jean-Claude Coquet, par exemple, comme un peu l'emblème, ou dans la tradition linguistique bendéniste, bien évidemment. Et il y a toute une série d'autres traditions linguistiques qui aiment, en revanche, déproblématiser la subjectivité, voire écarter totalement la subjectivité, parce que quand on a commencé à construire la sémiotique structurale, par exemple, l'idée était d'écarter, de dépsychologiser les instances énonciatives. Hein. Et donc, même sur le plan, alors l'influence du structuralisme, même en dehors de la sémiotique, je veux dire en sociologie ou en psychologie, parfois, par exemple, pardonnez-moi, plutôt anthropologie ou psychopathologie, cette influence a été du type, alors il ne faut pas considérer que nous avons des personnes à étudier, nous avons des problèmes. Vous voyez, la dépsychologisation, ce n'est pas l'idée de considérer des personnes, des sujets. On a l'intérêt plutôt à travailler sur des problèmes. Et donc, à travers l'idée de travailler des problèmes, on peut généraliser et éventuellement constituer des grammaires actentielles qui n'ont plus des relations directes avec des sujets spécifiques. Donc, voilà, alors on a toute une tradition que cherche à mettre un peu de côté, on va dire, la subjectivité. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'exercer une sorte de critique du sujet. Le sujet n'a pas les pouvoirs unilatéraux de la signification. La signification est plutôt publique, c'est-à-dire que la langue est sociale. Hein, dans la vision de Saussure, la langue est un patrimoine, une institution sociale. Donc, ce n'est pas, je veux dire, une propriété du sujet. L'interprète, ce n'est pas quelqu'un qui doit s'abandonner à des impressions subjectives, justement, mais il doit se positionner comme une instance critique et donc appliquer une méthode dans l'analyse du texte, donc essayer de s'impliquer, s'investir dans des procédures d'objectivation. Et donc, tous les aspects subjectifs devraient être un peu, comment dire, marginalisés. La science même, hein, parfois, on dit l'esprit scientifique doit un peu dépasser la subjectivité et montrer des procédures qui seront valables pour tous. Alors, à côté de ça, il y a une autre tradition subjectiviste, subjectivante, je ne sais pas. Il y a des linguistiques comme, ou des sémiotiques, comme dans les cas de Coquet, où on dit attention, parce qu'il faut ajouter quand même l'expérience de la langue. On parle du sujet parlant, on parle du sentiment du sujet parlant, justement pour reconnaître des expressions qu'un portugais ou un français sont convenables ou pas. On doit faire confiance un peu à cette sensation, à cette expérience intime, vous voyez, déjà de la langue.
Et vous voyez, même dans certains auteurs structuralistes, apparemment très rigides comme Ténière, qui est un auteur un peu à la base de la théorie des relations et en particulier de la structure, des structures attentielles, vous voyez une phrase, alors construire une phrase pour Ténière, c'est mettre la vie dans une masse amorphe de mots. Mettre la vie, vous voyez, c'est l'impulsion, hein, selon déjà la vision de Benveniste, et s'approprier la langue. Hein, s'approprier la langue veut dire s'engager, s'impliquer dans un terrain discursif et mettre de la vie, hein, et mettre donc une expérience qui se décline, qui se dégage à travers les ressources linguistiques. Alors, je vais rapidement, je vous rappelle un peu comme ça qu'on a travaillé sur la subjectivité, sur l'actentialité subjective, on a reconnu qu'il y a une pluralité des instances, c'est déjà intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la subjectivité comme construction ontologique, c'est une subjectivité qui est déjà hétérogène, on a déjà le problème de réunir, de rassembler plusieurs instances subjectives. Alors, même si on fait de la linguistique subjective ou de la sémiotique subjectale, c'est pluriel, elle est une sémiotique pluralisante, une sémiotique qui reconnaît l'hétérogénéité. Alors, pour résumer de manière un peu simple, parfois peut-être aussi simpliste, disons, je dirais qu'il y a trois positions prototypiques en sciences du langage. La première position est l'idée qu'il n'y a de la subjectivité que de la subjectivité construite par les médiations linguistiques. Hein? On doit considérer seulement la subjectivité élaborée à travers le langage. Donc, pour devenir sujet, on doit passer par la langue. C'est la position, disons, de Benveniste. Hein? On devient sujet grâce à la langue, à travers la médiation du langage. Il y a d'autres positions qui pensent qu'avant les langages, il y a une faculté des langages, il y a des propriétés neurophysiologiques et que finalement, les langues naturelles et les langages en général ne sont que l'expression, la possibilité de mobiliser cette faculté. Et en tout cas, dans la description de l'utilisation de la langue, des pratiques linguistiques et sémiotiques, on doit toujours rentrer dans une explication qui, en amont, arrive finalement à justifier pourquoi, sur le plan, par exemple, neuronal ou en tout cas cognitif, on arrive à élaborer une certaine signification. Troisième possibilité, c'est une possibilité de, je veux dire, un parcours de conciliation possible entre ces deux positions opposés, disons, c'est penser qu'il y a une sorte de couplage structural entre l'expérience d'un environnement linguistique, naître, je ne sais pas, dans une culture portugaise ou dans une culture française, hein, et d'autre part, l'effet qu'on doit mobiliser toute une série de perspectives d'énonciation qui sont, les fruits d'une prise de position du sujet. Bref, il n'y a pas un point de départ initial, la langue ou l'instance subjective, il y a une sorte de connaissance, d'implication réciproque entre les deux. Alors, pour ne pas laisser cette proposition, la troisième piste que je voudrais aborder finalement, vous suggérer comme une piste plutôt intéressante, je voudrais ne pas la laisser comme ça dans l'implicite, mais plutôt essayer de l'expliquer. Alors, avant tout, je voudrais l'avancer, cette piste, la piste d'un couplage entre une subjectivité première et une subjectivité seconde, on va dire, parce que c'est une subjectivité qui émerge à travers les médiations linguistiques, l'idée de fédérer les deux récits possibles de la constitution de la subjectivité en amont et en aval, relève d'une série une sensibilité qui relève d'une sensibilité, je dirais presque de politique de la langue. Et en particulier parce qu'on peut remarquer des contradictions. D'une part, on veut déontologiser les sujets, opérer une critique de la subjectivité, et donc même faire écarter le problème de la subjectivité, construire une sémiotique, par exemple, sans avoir besoin
de faire une théorie du sujet, et d'autre part, on pense à un interprète qui doit être critique, qui doit exercer une certaine déontologie dans l'analyse de texte, qui doit mettre en qui doit aussi, je veux dire, s'impliquer, s'investir dans ces analyses. Et donc, comment mettre en même temps, comment prétendre qu'on peut dire d'une part que les sujets peuvent être marginalisés, d'autre part qu'on a besoin des sujets responsables. Voilà, je vois dans cette chose une sorte de contradiction originaire. Donc, vous voyez, encore des contradictions. Le moi comme obstacle à la connaissance, l'influence de la subjectivité serait une sorte de perturbation de l'objectivité. Et d'autre part, le fait qu'on peut connaître certaines choses, par exemple les passions, partager sur le plan communicationnel je veux dire, une sensibilité sociale, le seul moteur, la seule instance que peut essayer d'analogiser à travers, je ne sais pas, l'empathie, la sensibilité des autres, les émotions des autres, eh bien, c'est l'émoi, c'est la subjectivité. Vous voyez, il y a toute une série de contradictions qui semblent motiver alors en sorte de découplage, et ces couplages peuvent recevoir des descriptions, je dirais, précises, mais à travers des phases. Donc, on peut imaginer plusieurs parcours. Un parcours qui est tout à fait légitime, qui est l'incarnation, dès l'incarnation en langage, comment on passe d'un sujet incarné biologique à l'élaboration d'un discours. Donc, il y a toutes les questions qui concernent l'origine du langage, les contraintes neurophysiologiques pour l'élaboration linguistique. C'est un premier parcours, on va dire, qu'on commence du sujet incarné pour aller vers le langage. Un deuxième parcours qui, en revanche, commence à travers les langages pour voir comment, à travers le langage, on peut reconstituer une subjectivité, reconfigurer la subjectivité, la problématiser, la faire décoïncider, parce que justement, il y aura plusieurs instances subjectives, les moi, les soi, les soi idem, les soi ipse. On voit déjà une réélaboration de la subjectivité médiée par les langages. Un troisième parcours, c'est l'expérience du langage. Dès qu'on commence à parler, dès qu'il y a une conversation, une interaction, on doit se réapproprier les rôles linguistiques et les vivre. On doit justement, se reconnaître dans les discours élaborés, dans les mots qui sont prononcés, toujours avec des effets de décalage, parce que parfois on arrive à se reconnaître totalement, parfois on a la sensation qu'il y a toujours une sorte de distance entre les mots et les émotions, l'expérience interne du sujet. Donc on cherche des formes d'adéquation, de trouver une justesse, des formes propres pour s'exprimer. Donc il y a des autocorrections. L'expérience du langage passe par des autocorrections. Je n'arrive pas à m'exprimer de manière convenable, donc bon, je peux reformuler. Hein, voilà. Quatrième parcours, c'est le fait de tenir ensemble les valeurs qu'on a éprouvées dans l'expérience du langage et des valeurs qu'on a projetées dans les discours, dans des textes. Donc, on est à la fois des images projetées et qui sont en circulation grâce à des textes, et en même temps, on a des valeurs qui sont, comme dire, échangées, thématisées, justement, parce qu'on veut dire on est les deux choses ensemble. On veut thématiser la convergence, on va dire, entre les mots, hein, je dis quelque chose, je suis impliqué, je suis engagé, et en même temps, il y a non seulement les mots, mais ma présence réelle, mon engagement réel, mon expérience de l'engagement, ma souffrance éventuellement, ma fatigue, hein, et donc on doit thématiser cette convergence qui aussi va créer, par exemple, la thématisation de la sincérité, l'adéquation entre les vécus intimes et les choses dites. Voilà, on a toute une série de thématisations qui sont problématiques. Et je répète, quand je dis thématisation, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la vérité, mais ce n'est pas la sincérité absolue. Mais on a quand même la thématisation, on se pose la question, justement.
Voilà, alors quand on pense au passage 2, alors voilà, il y a une série de phases, l'idée de construire des dialectiques, de construire, moi je veux traiter en particulier les parcours 2, 3 et 4, et je laisse à je ne sais pas, à quelqu'un qui fait de la linguistique cognitive ou de la sémiotique cognitive, travailler plutôt sur le premier parcours, je n'ai pas toutes les compétences nécessaires, et en tout cas je ne veux pas aborder ces points aujourd'hui. Si je commence à aborder le deuxième point, comment la subjectivité est reconstruite en langage. Bon, j'ai déjà proposé ailleurs, je ne peux pas entrer dans les détails, mais je peux vous donner quelques suggestions quand même. C'est l'idée que cette subjectivité commence à se construire à travers même la grammaire, par exemple, hein, l'organisation grammaticale. Et donc, on voit que l'attribution d'un sujet, un discours, peut être... comment dire, peut recevoir des couches, des paliers différents. On a un sujet justement parce que c'est un sujet qui s'impose comme point de vue principal d'une histoire, et donc c'est la mise en perspective, ou sur le plan grammatical, la diathèse. Il y a une subjectivité qui s'y affirme à un niveau 2, comme un deuxième step, on va dire, un deuxième passage. C'est l'effet que c'est un sujet parce que justement il semble revendiquer une sorte d'autonomie modal, les vouloir faire, par exemple, montre une sorte d'autonomie par rapport à des dispositifs modal. Il veut s'écarter, s'émanciper. Une subjectivité qui semble s'imposer, émerger parce que elle résiste à la répétition, ne pas faire toujours la même chose. On a fait la découverte d'une solution. Eh bien, les sujets, ils se manifestent comme quelqu'un qui n'accepte pas de jouer toujours le même jeu avec la même stratégie. Donc, il commence à opérer des variations, à explorer d'autres solutions, à s'aventurer. C'est une autre manifestation de la subjectivité. Quatrième manifestation qui monte en complexité de la subjectivité, c'est la manifestation de quelqu'un qui n'accepte pas seulement de constituer son point de vue et ses variations, je veux dire, subjectives, mais il commence à comprendre que de l'autre côté, il y a d'autres sujets. Qui ne peut pas revendiquer les valeurs sur le plan unilatéral, mais plurilatéral, c'est-à-dire qu'il faudra trouver des accords, des formes de contrats même, parce qu'il y a d'autres sujets, justement, qui sont en face et qui sont, comme dire, qui peuvent revendiquer le même droit, je veux dire, à la constitution et à des soi-même, bien évidemment, et à des formes de résistance. Cinquième passage, la subjonctivation. C'est quand quelqu'un commence à imaginer le futur, commence à explorer des mondes possibles. Donc, non seulement il est dans un contexte interactionnel, mais il commence à actualiser des possibilités futures interprétées. Hein. C'est le subjonctif. Je parle de subjonctivation parce que le mode grammatical subjonctif, c'est le mode justement qui nous aide à actualiser du possible, un futur qui reste à interpréter. Donc, il y a une sorte d'écran, l'écran du possible qui semble s'interposer entre les sujets et les actions. Hein. Il y a quelque chose qui semble médier et qui est une série de possibilités des hypothèses. Alors, je viens au troisième passage, donc le moment où finalement on a l'expérience du langage, et dans cette expérience du langage, l'expérience de parler, c'est l'idée, donc une rhétorique, nous sommes dans des pratiques linguistiques ou sémiotiques, et on doit se reconnaître dans nos discours, hein. On doit faire cette expérience d'être à la fois à l'intérieur du discours et un peu à l'extérieur du discours. Donc il y a toujours, comme dire, des écarts, des incongruences, une certaine difficulté parce que d'une part, on a une image construite à travers le discours, donc c'est l'idée de, par exemple, se revendiquer comme un « je parle, je dis, je constate, j'affirme que hein, », et on cherche à décliner l'image de soi, ça peut être sur le plan visuel, la photographie, l'image, les vêtements, hein, les vêtements, c'est une manière de se présenter, de constituer une image de soi. Et d'autre part, ces sentiments qu'il y a toujours quelque chose qui résiste,
que je suis en train quand même de revendiquer une identité. Alors, cette identité n'est pas une identité pleine, c'est pas quelque chose que je connais déjà, c'est de manière négative que je commence à l'élaborer, comme quelque chose justement qui résiste aux images. Je suis en train de communiquer, je ne sais pas, je suis dans un social media, Facebook, mettons, il y a des images, il y a des discours, et quand même, j'ai l'expérience du décalage entre les images discursives projetées, scripturales, iconiques, peu importe, et une identité que justement je voudrais revendiquer. Et si je dois continuer à parler, à m'exprimer, à montrer des photos, et parce que les images ne sont pas capables de combler, de saturer, d'expliquer, de décliner totalement cette identité. Alors, voyez que je suis en train de construire une sorte de polarisation. Imaginez que le discours se positionne un peu comme instance tierce qui à la fois peut décliner des images et il peut devenir témoin d'une identité qui n'arrive jamais à s'y constituer de manière définitive. Et par ailleurs, les discours incarnent lui-même cette difficulté. Pourquoi ? Parce que les discours aimeraient être une sorte de textualité toujours stable. Par exemple, on arrive à écrire, justement, on a une notation, mais on sait que dès qu'on commence à lire, par exemple, maintenant, je suis en train d'oraliser mon diaporama, et cette oralisation du diaporama me donne la sensation, même si je fais tous les efforts pour stabiliser la signification de mon discours, l'oralisation montre déjà que je suis en train de construire d'autres images de moi-même que je n'avais pas prévues. Donc, la verbalisation, l'oralisation, la restitution d'une sensibilité acoustique, ou dans les cas de l'image, l'apparence visuelle, justement, ouvre des possibles. On voudrait imaginer une textualité figée, mais en réalité, dès qu'on montre la textualité, ou on commence à dire le texte, à prononcer, à oraliser un texte, le texte devient une série de projections, de manifestations. Donc, les discours même n'arrivent pas à être une image univoque et définitive. Ils se pluralisent à travers ces manifestations et en même temps, ils peuvent revendiquer une identité. J'ai un statut, je suis un écrit scientifique, par exemple. Il y a des revendications, même si le statut scientifique, je répète, n'est pas quelque chose de gagné pour toujours. Dans chaque moment, on pourrait questionner qu'est-ce qu'un texte scientifique, qu'est-ce qu'une épistémologie, je ne sais pas, linguistique ou sémiotique, qu'est-ce que veut dire écrire de la sémiotique. Donc, cette identité reste toujours comme un enjeu du discours même. Donc, voyez que je suis en train un peu de dire que le discours est tierce, une instance tierce par rapport aux images projetées et aux identités revendiquées, mais lui aussi, il semble pâtir, subir, incarner cette divergence entre l'image et l'identité. Donc, le discours cherche toujours un peu, s'impose un peu comme un équilibre instable entre les images et l'identité. Hein, les identités sont plutôt de l'ordre de l'implicite, comme une sorte d'horizon extra-référentiel, hein, quelque chose qu'on indique. Il y a plutôt une structure indiciaire pour dire on évoque, on renvoie une identité qui serait là, moi-même, et des images qui, en revanche, sont bien déclinées sur le plan, je ne sais pas, figuratif, par exemple, dans les textes. Il y a des descriptions, il y a des images, il y a des formes d'exemplification de moi-même. Alors, vous voyez, je suis en train de présenter l'éthos, pas comme simplement l'image de soi-même, mais déjà comme une structure tensive, hein, une structure tensive. Si l'identité existe, justement, est parce qu'elle a, justement, parce qu'elle a besoin toujours de recevoir de nouvelles médiations, d'être suivie. Hein. C'est pour ça que je parle dans mon exposé, justement d'un parcours vers la reconnaissance d'une décoïncidence continue. Parce que cette identité, ce n'est pas une idée stable, une ontologie, mais c'est plutôt une variation continue,
une aventure, ça peut être une aventure intellectuelle, une aventure sensible, une aventure artistique, je ne sais pas, scientifique, mais en tout cas, c'est un devenir hein, de la subjectivité. Alors, le rôle thérapeutique du discours, parce qu'on cherche à intervenir et à ne pas exagérer avec les images, ne pas exagérer avec les prétentions identitaires. On cherche un équilibre et donc la négociation discursive, c'est la tentative finalement de trouver un compromis et de trouver un équilibre entre l'iconisation de soi, l'emblème, hein, de dire voilà l'image qui pourrait résoudre totalement moi-même, c'est impossible, ou une sorte d'identité externe que je voudrais évoquer, mais qui finalement n'arrive jamais à, même si elle a des prétentions, à se définir, à s'auto-constituer, à s'auto-affirmer. Donc, le discours aide les images, l'identité, mais il est aussi un opérateur de déconstruction, hein, de critique constante. Bon, alors je vais rapidement, parce que je dois avancer. L'éthos, donc je propose une notion d'éthos qui n'est plus seulement, comme vous voyez en bas, l'image de soi attribuée à l'orateur, son autorité et sa crédibilité, c'est déjà un éthos qui est une structure tensive, c'est une sorte de va-et-vient constant, de gestion discursive, gestion discursive de la tension entre les images de soi, hein, figurativiser un discours, et les identités revendiquées. Alors, déjà la première problématisation sous l'éthos, maintenant on entre dans une autre problématisation. Non seulement il y a une dialectique entre image et identité, mais l'éthos n'est pas une structure unitaire. Moi, je travaille toujours sur l'hétérogénéité, je pense même que la sémiotique est une science de l'hétérogénéité, de comment tenir ensemble des instances différentes. Alors, la sémiotique peut être une sémiotique de la subjectivité parce qu'on peut montrer comment les langages, les discours aident à résoudre cette hétérogénéité, résoudre toujours de manière partielle, instable. Alors, qu'est-ce que je veux montrer maintenant ? Que l'éthos n'est pas une structure unitaire. Donc, il y a des polarisations. Moi, j'aime bien travailler avec des polarisations. Alors, il y a des polarisations qui sont déjà reconnues par la linguistique, par l'analyse du discours, par des disciplines, je veux dire, linguistiques et sémiotiques. Donc, par exemple, il y a une dialectique entre l'éthos préalable, l'autorité. Moi, j'arrive ici aujourd'hui en tant que professeur, mettons qu'être professeur, c'est un éthos préalable, j'ai une certaine autorité, et ensuite j'ai un éthos distribué, parce que je suis en train, avec mon discours, de vous attribuer un éthos en tant qu'interprète. Donc les niveaux de mon discours, je sais, un peu difficile, un peu technique, etc., est en train de vous attribuer une image hein, d'interprète capable de réélaborer la signification de mon analyse, de ma présentation. Il y a un éthos dit, voyez, un éthos affirmé, un éthos construit à travers les discours et un éthos montré, affiché. On pourrait dire l'éthos dit, c'est parce qu'on propose des phrases, par exemple, j'affirme que, je suis dans les conditions d'affirmer que, j'estime que, je pense que, c'est l'éthos dit. Et l'éthos montré, c'est le ton, par exemple, la tonalité, le ton, la manière, la disposition, de l'énonciateur par rapport à son discours, on montre une certaine, je ne sais pas, calme, maîtrise, une certaine solennité dans les discours, ou en revanche une certaine aisance, désinvolture. Donc il y a un éthos qui est revendiqué sur le plan de la, je veux dire, du dit, et il y a un éthos exhibé à travers la manière d'énoncer. Encore là je dois sauter parce que il y a un éthos intensif, c'est l'éthos pour moi, l'éthos qui me concerne, l'éthos de moi-même, de ma personne, mais je parle aussi en tant que sémioticien, je parle aussi un petit peu pour ma communauté. Mettons que je suis en train de faire un discours pour l'Association française de sémiotique, alors je parle, c'est moi, il y a un éthos de moi-même, mais je peux basculer facilement entre le « je » les noms de majesté, les noms donc d'autorité, les noms
inclusif, nous sémioticiens français, voyez, donc l'éthos peut passer d'une version intensive, les sujets, version restreinte, exclusive, à une version qui, en revanche, semble impliquer d'autres subjectivités, et c'est l'éthos d'un collectif, finalement. Alors, les éthos sont déjà au pluriel, en grec serait les étés, mais bon, en disant les éthos au pluriel, il y a une pluralité, une hétérogénéité des éthos, et il y a des éthos concomitants. Donc, dans certaines situations, je parle et j'ai la sensation que je parle en tant qu'individu et en tant que collectif, en tant que personne et en tant que représentant. Et donc, il y a une sorte de résonance paradigmatique entre des figures subjectives. L'idée de, je veux dire, d'avoir un sujet énonciateur monolithique toujours le même, c'est, je veux dire, en réalité, il y a toujours une concurrence entre des figures, je veux dire, subjectives, et il y a une certaine coprésence, coalescence, concomitance, justement. Et je veux, alors j'arrive un peu vers la deuxième partie, ou presque à la fin de mon intervention, disons, mais il y a un éthos du soi, donc l'éthos de la construction de soi-même, de la mise en discours, en tout cas de la construction justement du soi, et un éthos du moi, c'est-à-dire ma chair, ma vulnérabilité, mon corps. Donc attention, parce que quand je parle maintenant, je cherche à me présenter comme quelqu'un qui arrive à suivre les fils de son discours, à être plutôt cohérent, et éventuellement imposer une certaine image de moi-même, je cherche, mais il y a toute une série de choses, la gestualité, l'expression du visage, la posture, qui m'échappent, sont un éthos du moi, un éthos vulnérable, ma fragilité, finalement, qui émerge en discours. Et donc, il y a un va-et-vient hein, dans votre perception, dans ces moments, vous avez en même temps quelqu'un qui se présente, qui maîtrise un peu la discipline, son discours, et quelqu'un qui a des moments ou qui a des traits qui semblent échapper à son contrôle. Alors, cette expérience de la traduction, du tenir ensemble plusieurs instances subjectives, c'est justement l'inéchangeable, c'est-à-dire c'est dans ces moments, je suis en train de vivre une expérience que je ne peux pas échanger avec vous. Je suis en train de partager mon discours, je suis en train de le partager à travers YouTube, il y a des médiations, on partage quelque chose, mais en même temps, mon expérience subjective, l'expérience justement de l'éthos du moi, de l'éthos du soi, de la personne que je voudrais incarner, du décalage entre l'image, l'identité, tout ça est quelque chose que je peux vivre dans ces moments, mais je n'arrive pas totalement à échanger avec vous. Et alors, on se protège. Hein, à la Goffman, on se protège parce que même si je peux faire des erreurs, je peux montrer des faiblesses, et on cherche à se protéger hein, les uns avec les autres. On protège la face. Il y a une phase positive, c'est la phase de l'auto-affirmation, justement de l'éthos maîtrisé, de l'éthos décidé, construit, mais il y a aussi la phase négative, selon Goffman, c'est la phase vulnérable du sujet. Alors, voyez que le discours, c'est, pour utiliser le terme de Plutarque, mais aussi de Foucault, c'est le discours est néto-poétique, poétique, poiesis, création. Dans les discours, il y a une créativité de la subjectivité qui relève d'une hétérogénéité, d'une pluralisation d'un sens. Et ensuite, bien évidemment, notre effort est d'essayer de rassembler, de reconstruire des cohérences, des convergences tensives. Et le vécu de signification, cette expression plutôt curieuse qu'on trouve chez Wittgenstein, Cassirer et qui arrive à Zilberberg, le vécu de signification, justement, c'est cette expérience de la signification d'un va-et-vient de la gestion de plusieurs polarisations en même temps. Alors, je passe l'intime. Alors, l'intime, bien évidemment, c'est une expérience de la subjectivité, c'est une expérience donc de valeurs traitées dans la traduction. Imaginons même vraiment les traducteurs
qui n'a pas une langue tierce pour comparer le français et le portugais, il doit traduire un texte français en portugais et il doit opérer ces passages. Les traductologues utilisent le terme italien de salto mortale, de saut mortel. On doit passer d'une langue à l'autre et on fait cette expérience qui est une expérience justement intime de la relation. Alors, apparemment, l'intime n'a pas une citoyenneté théorique en linguistique, en sémiotique, mais si on va regarder de manière un peu plus précise, au contraire, on trouve toute une série d'attestations. Par exemple, dans la catégorie des cas de Louis Yamsleff, on trouve toute une série d'occurrences, mais des dizaines d'occurrences du terme intime, parce que la théorie des cas, vous savez bien, la théorie des cas, c'est une théorie de relations. S'il y a des relations, ce sont des relations entre des actants. Alors, selon Yamsleff, il faut voir quel est justement les degrés d'intimité entre les actants. Il y a des actants qui sont vraiment inhérents, qui partagent quelque chose. C'est le contraire du locatif. Les cas locatifs, c'est le fait qu'il y a une chose qui occupe un certain espace. C'est une relation totalement contingente. Hein, il n'y a pas d'imprégnation, d'osmose, de passage de propriété entre les lieux et la chose qui est dans ces lieux. Donc, les locatifs attestent une distribution, une relation, mais à distance. Et il y a d'autres cas qui expriment, en revanche, d'autres formes de relations grammaticalisées en langue qui expriment quelque chose qui va bien au-delà de la causalité, de la relation causale. Il y a vraiment une sorte de mélange de propriétés, d'inhérence. Alors, dans le cas, alors là, c'est vraiment l'interpénétration, hein, le fait qu'il y a une compénétration, ou de l'adhérence, c'est les contacts. C'est les contacts. Et justement, Zilberberg, hein, je vais rapidement, mais je vous laisse regarder, chez Zilberberg, il y a une reprise de la tradition Yamslevienne, et donc on trouve toute une série d'attestations d'exploitation de l'intimité. L'inhérence intime, c'est pour construire des valeurs d'absolu. La relation avec certaines valeurs électives est vraiment une sorte de prégnance de valeurs éprouvées par les sujets. Il y a une sorte d'implication forte. Les valeurs d'univers sont des valeurs distribuées, sont des valeurs qui sont dans la disponibilité de tous, avec une certaine distance, éventuellement à contact, mais pas dans l'intimité. Voyez. Alors, juste une chose pour vous dire que quand on commence à thématiser l'intime en linguistique et en particulier en sémiotique, c'est pas sortir de les catégories les plus favorables pour faire de la sémiotique ou de la non, au contraire, on a de la place, même sur le plan métalinguistique, pour traiter l'intime. Alors, cette intimité que je voudrais vous proposer, au moins de manière très courte, de manière très synthétique, est que justement l'intime émerge comme une sorte d'approfondissement de l'identité, une identité qui n'a pas des bases, qui n'a pas des fondements ultimes, qui peut seulement continuer ces mouvements d'approfondissement. Et cette idée de se mettre dans une sorte d'aparté, hein, de réflexion, de pli auto-réflexif de la subjectivité, peut s'installer seulement à la condition de suggérer à l'autre de faire la même chose. C'est-à-dire que l'intime a besoin, vous voyez, une intime qui donc c'est une expérience, on pourrait dire, de la subjectivité, mais qui s'y réalise. Il y a un approfondissement de la subjectivité à tel point qu'elle devient intime, constitution intime, parce que ces mouvements de se mettre de côté, de pouvoir auto-réfléchir, est un mandat qu'on reçoit à partir de l'autre. Il y a un mandat réciproque à se constituer en tant qu'instance intime. Il y a des livres consacrés à l'intime, je vous rappelle le livre magnifique de François Julienne, où il dit l'intime tient associé les retraits et les partages. Hein. C'est retirer le pli autoréflexif et l'idée de partager. C'est presque antinomique, voyez, c'est presque une opposition, un paradoxe.
C'est pour ça que je parle de paradoxe dans les titres de l'exposé. Retrait et partage. Mais si on regarde bien, hein, on dit « je peux être intime que par en toi hein. ». Je peux être intime seulement parce que je suis, comme dire, provoqué par l'autre à justement explorer moi-même, explorer ma sensibilité, faire l'expérience ou le vécu de signification de la solidarité entre justement les images projetées et l'expérience de moi-même, l'adéquation entre les deux. Alors, Julien parle de retrait et de partage. À mon avis, on peut aller même au-delà de ça. Les retraits ne concernent pas une réserve du disponible, les secrets. Parfois, on a la tendance un peu à associer l'intime au secret, au corps caché, au regard indiscret. Moi, je pense que les retraits, c'est plus que ça. Ce n'est pas les secrets, mais déjà disponibles pour le sujet. Autrement, il y a une sorte de rentrée de l'ontologie, de la disponibilité de l'identité. Non, je crois que les retraits, c'est retirer pour justement opérer un approfondissement. Et dans cet approfondissement, qu'est-ce qu'on trouve ? Quelque chose que je ne peux pas approprier. Je ne peux pas m'approprier totalement. Il y a une dimension qui résiste. Je fais l'expérience de moi-même comme être résistant et qui résiste même à une définition de soi, qui résiste à des bornes aussi, à des lisières, parce que je suis aussi des objets, des choses que j'aime. Je suis un peu... je n'ai pas des contours clairs, j'ai un corps, mais je suis à contact, je suis perméable, j'ai la sensation d'être en couplage avec le monde, avec un paysage. Vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup de cognition distribuée, hein, je parle de choses comme ça aussi. Donc, je cherche de m'y retirer, mais je n'ai pas une propriété sur moi-même, je n'ai pas la disponibilité de mon identité. Et les partages, c'est la même chose, c'est pas la communication, c'est pas la disponibilité de l'objet image que je peux immédiatement partager avec les autres, c'est plutôt un partage négatif. C'est l'idée de partager une co-implication, de penser d'être co-impliqué, d'avoir une sorte d'interpénétration. Interpénétration, je veux dire qu'on est pénétré par la situation et on partage, on est influencé, par exemple, par la même circulation de modalisation. L'espace nous implique, comme par exemple écouteur ou spectateur de quelque chose, je ne sais pas, au théâtre, le même spectacle, et on partage cette scène. Donc, il y a des parcours de socialisation. Là, je vous montre quelques schématisations. Et j'arrive un peu, je sais que je dois arriver à des conclusions. C'est dommage, j'avais pas mal d'autres choses, mais je sais bien que le parcours était plutôt long. Alors, il y a des parcours de socialisation, ils sont plutôt connus, hein. C'est l'idée de se coordonner, de coopérer ou de trouver une véritable complicité. Mais il y a des parcours aussi d'intimisation. Alors, l'intime, vous voyez, la flèche ne va pas vers le haut totalement, parce que l'intime n'arrive pas à se constituer totalement, il doit passer par l'intimité. L'intimité, c'est déjà l'idée de partager l'intime, d'avoir des intimes au pluriel qui arrivent à se répondre, à s'impliquer de manière réciproque. Et l'intimité, c'est déjà donc quelque chose qui relève de l'interaction, même si, encore une fois, on n'aura pas la possibilité de partager tout. Il y a quelque chose qui reste. La partie non échangeable de la subjectivité, et donc la communion des esprits reste une sorte de projection idéale, de mythe, hein. La seule possibilité est d'étendre l'intime en tant qu'intimité partageable. Et bon, alors voilà, j'avais pas mal d'autres choses à vous, je veux dire, à proposer. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, cette intimité est de plus en plus exposée, réduite à des images qui circulent dans la société. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'extime. On parle d'une intimité réduite à l'image. Donc, il n'y a plus de revendication identitaire. Il n'y a plus cet approfondissement. On a seulement des images qui circulent
Et donc, le cycle, les circuits de signification de l'intime n'arrivent plus à s'installer, et on parle plutôt donc de l'extime, hein, de l'extime comme dissolution de l'intime dans cette communication externe. Voilà, et je termine alors avec la question de la décoïncidence. Hein, je termine là-dessus avec la décoïncidence. L'idée que donc cette subjectivité qu'on est en train un peu de thématiser n'est pas une subjectivité que se réaffirme, c'est au contraire une subjectivité que, à travers la dialectique entre les images et l'identité revendiquée, elle se trouve toujours dans une sorte de désolidarisation, à expérimenter des écarts, pas des différences. C'est pas un paysage de différences distribuées, éventuellement grammaticalisées ou en tout cas figées. C'est plutôt la sensation d'un écart, d'une distance, quelque chose qu'on devrait combler, des vides, de vides identitaires qu'il faudrait combler. Et donc, voyez, l'homme, la femme sont des concepts à construire. Et à construire hors de soi-même, hein, hors de la maîtrise. Parfois, je parle de hors technique. Hein. Il n'y a pas une technique pour gérer l'intime. On peut seulement l'expérimenter. Mais évidemment, cette expérience n'est pas dépourvue de médiation linguistique. C'est pour ça que je parle d'expérience de langage. Il n'y a pas une opposition nette dans les vécus de signification. Cette décoïncidence ouvre la possibilisation. Alors, la possibilisation, ce n'est pas les possibles systématiques, c'est les possibles, c'est le fait de déplacer le possible linguistique, le paradigme, hein, il y a une sorte de cartographie du possible, mais quand on fait basculer le possible du système vers l'environnement, on obtient une possibilisation, c'est-à-dire la possibilité de rendre les possibles de nouveau possibles, d'ouvrir les possibles au-delà de la cartographie du système. Alors, la décoïncidence est l'idée de sortir du système. C'est la créativité linguistique aussi d'aller au-delà de pièces linguistiques, d'éléments linguistiques, de traits linguistiques qu'on maîtrise déjà. Donc, il y a c'est la néologie, la néosémie, on s'invente des choses. Il y a de la créativité, et cette créativité relève bien évidemment de la capacité de décoïncider. Et cette décoïncidence nous aide parce que chaque fois qu'il y a une décoïncidence, il y a un mouvement de rentrée à nous-mêmes, hein, rentrée dans les choses qu'on connaît déjà. Et dans chaque circuit de la rentrée, cette idée de revenir, hein, de reprise, hein, d'une reprise de la signification, il y a un changement de point de vue, il y a une altération du sens, une productivité du sens. Et voilà, je vais préparer des schématisations pour un peu illustrer cette idée de coïncidence, là où, par exemple, où l'imprégnation, s'imprégner d'une culture veut dire décoïncider déjà. L'idée, je pourrais passer, je ne sais pas, 6 mois au Brésil et je pourrais m'imprégner de la culture brésilienne, c'est un moment de décoïncidence. Parler une autre langue, c'est décoïncider, se mettre les corps, notre système vocal, d'utiliser d'autres positions, c'est découvrir un autre moi, finalement, qui s'exprime. Et quand on arrive non seulement à s'imprégner de manière un peu indéterminée, libre, informelle, mais à donner une forme à cette implication dans la culture brésilienne, à prendre une position, alors je deviens intime, j'ai une intimisation, je passe de l'appropriation de la langue, de m'approprier la langue, la culture brésilienne, à avoir la culture brésilienne à moi-même. Et donc, j'ai un rapport intime avec cette culture. Voilà, et la dialectique identitaire, et là c'est vraiment la dernière slide que je vous montre, la constitution donc de la subjectivité est à la fois psychologique et sociologique, et pour moi la sémiotique est la tentative de montrer les passages entre la socialisation de valeurs et la psychologisation de valeurs, c'est trouver un terrain commun, c'est la conversion, c'est la traduction, hein, entre les deux.
Et donc, d'une part, j'ai mis individualisation comme mouvement de se positionner dans l'espace social, s'individualiser, s'écarter, hein, c'est l'antagonisme par rapport à d'autres positions et s'autonomiser par rapport à des modèles sociaux. L'individuation, en revanche, c'est l'approfondissement identitaire qui devient aussi excentricité, c'est-à-dire exploration, aventure. Alors, vous voyez, on peut avoir des cas où l'expérimentation est totalement psychologique, c'est une véritable expérimentation de moi-même, hein. Il y a des expériences d'altération de soi-même, les drogues, je ne sais pas, des choses comme ça. On peut faire mettre en variation l'ipséité, la subjectivité et l'individuation de soi. Si je cherche à trouver une complémentarité avec l'élaboration socio de l'identité, l'individualisation, alors je trouve que cette expérimentation de moi et cette individualisation antagoniste par rapport aux modèles sociaux devient une décoïncidence. La décoïncidence tient ensemble donc les mouvements d'approfondissement psychologique de l'identité et l'idée de mettre à l'écart, de se démarquer par rapport aux images qui circulent dans la société, avec donc voilà une proposition totalement autonome, des modalités de manifestation totalement propres, capables de décoïncider. Bon, je termine là-dessus, c'était un peu rapide, mais j'avais l'envie un peu de vous accompagner dans ces voyages. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Pierluigi. Un voyage très, très, très intéressant. On est tous dans cette, je ne sais pas comment dire ça en français, mais como a gente diz, pessoal, nas coxias, atrás, aqui, nos bastidores, on parle sur ton exposé, moi, Patrícia, Gustavo, pendant que tu parles, parce que nous sommes très, très, très impressionnés par ces réflexions très poignantes sur les problèmes de l'identité et de la subjectivité que tu nous apportes aujourd'hui, d'un point de vue que nous n'avons pas connu jusqu'à présent, du moins dans nos réflexions plus récentes, dans nos groupes de recherche. Et ces réflexions que tu fais nous semblent assez prometteurs et opérationnelles, je pense. Oui, et surtout quand on voit ces derniers schémas tensifs que tu nous montres, parce que ces schémas tensifs sont très très didactiques, oui. Voilà, oui. Parce qu'ils permettent qu'on reconnaisse bien la tension entre l'individuel et le social. Mm-hmm. Ce sont en fait des chemins qu'on commence à parcourir au Brésil spécialement. Surtout quand on pense au Brésil, dans nos groupes de recherche, à des études sur le problème du genre, et spécialement les problèmes de l'identité des genres et les cartographies de sexualité. Mm-hmm. Parce que ces problèmes-là portent sur un problème de reconnaissance de l'identité de soi-même, un problème entre le moi et le soi et la dimension psychologique et sociale. Donc, pour nous, c'est très, très intéressant. On a déjà une question de Patrice, si je suis dans le bon chemin. Norma Dissini est ici, elle t'accompagne. Salut, elle Norma. Elle dit merci, voilà, Pierre-Louise, pour ta magnifique conférence. Évidemment, Norma pense toujours sur le problème de l'éthos. Moi aussi, je vais te demander une petite question sur le problème de l'éthos, mais je ne sais pas, Patrice, tu m'écoutes, je commence, je fais ma question ou je fais ta question d'abord?
Tu peux dire ici sur le chat. Ok. du pareil au même. Donc, je commence par, par ma question, Kiruidjo. Oui. J'ai beaucoup aimé tout ce que tu m'as montré. Mais comment tu penses la notion de style, telle qu'elle est traitée d'un point de vue discursif, depuis déjà d'un point de vue sémiotique, comme Jacques le fait dans la sémiotique littérature des années 90, que tu connais, je sais, comme donc un style d'auteur, ou encore, dans un sens plus large, un style de vie qui met en scène cette notion, excusez-moi, qui met cette notion que tu nous montres en perspective par rapport à une nouvelle réflexion sur, sur une notion plus complexe d'éthos et d'identité. Et je te le demande surtout parce que ce que tu nous présentes, cette idée que dans le discours, l'identité se manifeste comme une myriade, je pense, de possibilités oui. d'une identité qui oui. s'ouvre ou même se déploie comme une sorte de lac, produisant ce que tu as appelé d'une série de projections, de manifestations de l'identité. Hein? Une idée avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Et il me semble que la notion d'éthos est élargie parce que tu, parce que tu parles de, dans ton résumé oui. spécialement sur les dispositifs énonciatifs qui, selon toi, sont tous allocentrés, hein, étant donné qu'ils ont une structure d'adresse, ce qui suggère que même le monologue le plus intime divise ces instances subjectives. Voilà, d'où, pour moi, le problème du style. Et je te demande, le style n'est pas une unité, on le sait déjà, mais comment penser le style comme allo et pas comme auto-centré. Hein? C'est ça peut-être le lien du paradoxe dont tu nous parles. Alors, bon, merci pour ta question, et quand même c'est une question plutôt complexe, et je n'ai pas immédiatement de réponse pour connecter la notion du style à ma présentation d'aujourd'hui, mais je peux essayer. Alors, les styles, tu sais, par exemple, dans sémiotique et littérature, Fontani cherche à décrire le style comme la présence de l'énonciateur dans son propre discours. Donc, c'est bon, l'idée de marquer cette présence, hein, des marques de présence de l'énonciateur dans son discours. Et tout ça obtient des effets de style, justement, parce qu'il y a l'idée de conduire, il y a un ductus de l'énonciateur, l'énonciateur semble guider son discours et s'imposer par rapport à son discours. Alors, par rapport à la question allocentrée, il faudrait complexifier cette idée parce qu'il y a un style personnel, mais il y a aussi un style sociolectal. Je peux être un auteur, un romancier français. Dans certaines parties, bon, il y a un style que c'est vraiment le style le plus personnel qui émerge, mais dans certaines solutions, je ne sais pas, lexicales, syntaxiques, c'est un style plutôt social, une manière de faire qui appartient à une communauté de romanciers, d'écrivains. Alors, quand je suis en train de me positionner sur le plan individuel, personnel, le style de l'auteur, est-ce que peut-être il est déjà une réaction dialectique par rapport à des styles sociaux, des styles sociolectaux, hein, qui circulent dans les textes sur le plan, par exemple, de l'appartenance au genre. Parce que pour signaler qu'on appartient au genre, le genre, bien évidemment, est constitué par des textes qui ont été écrits par d'autres auteurs. Et donc, voilà, il y a, comme dire, un mouvement égocentré, un style que s'individualise, mais il y a aussi, comme dire, un dialogue avec des styles, comme dire, il y a un style extensif, on pourrait dire, parce qu'il englobe, il fédère, c'est plutôt un nous stylistique et pas un jeu stylistique.
Donc, première réponse. Deuxième tentative de te répondre. Alors, la notion de style, si elle montre la présence de l'auteur, je me pose la question, elle montre les stratégies de l'auteur. Le style montre les stratégies de l'auteur, sa présence comme présence stratégique. Mais il y a aussi toute une série de faiblesses, des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. On fait des critiques, justement, aux auteurs, manque de cohérence, de cohésion textuelle. Il y a la vulnérabilité. Parfois, on aime aussi les défauts. Je ne sais pas si vous connaissez de pianistes jazz qui ont des limites sur le plan de l'exécution. Et tu l'aimes justement parce qu'ils ont réussi à transformer des limites dans la technique en style. Voilà, on dit style. Mais en réalité, ce n'est pas le style, c'est leur forme de vie. C'est leur manière de vivre, les pianos, un autre instrument. Alors, la notion de forme de vie est plus large que la notion de style. Les styles et stratégies, quand je peux dire style de vie, justement, on a eu un débat là-dessus sur la revue Axiomatique il y a 10 ans, si je me rappelle bien. Le style de vie est stratégique. C'est une série de, par exemple, de consommation, de sélection précise. La forme de vie est toujours interpénétrée par d'autres sujets. C'est le vivre ensemble, c'est l'influence, c'est le fait qu'on passe de la subjectivité individuelle à la subjectivité d'un groupe, d'un collectif, de la nation entière. Hein? Et on peut basculer facilement. J'ai des sentiments nationaux, à certains moments, non, j'ai plutôt des sentiments communautaires, collectifs, j'appartiens à une certaine catégorie sociale dans mon pays, et donc c'est ça qui prime par rapport à l'esprit national. Dans d'autres moments, c'est plutôt une réaction personnelle, une répulsion, un rejet. Alors, je pense que la notion d'éthos n'est pas totalement superposable à la notion de style. Le style n'est pas superposable totalement à la notion de forme de vie. Et s'il y a des styles égaux, centré, disons, il y a aussi de style allocentré, ou en tout cas de style par rapport auquel on doit se positionner. Parce que ce sont des styles, oui, qui appartiennent à une communauté d'écrivains, à une communauté pratique, de professionnel. J'ai essayé de te répondre, hein, je ne veux pas prolonger trop ma réponse. Bonjour, salut tout le monde, bonjour professeur. C'est un vrai plaisir de vous recevoir au séminaire. Et moi, je suis enchanté de faire la médiation du débat. Bon, la question suivante a été posée par Patricia Moreira. Et elle vous remercie beaucoup pour votre exposé. Et elle demande si, quand vous avez parlé sur les images et identité en tant que des instances. Et si, comme vous avez donné l'exemple des images projetées sur les médias, sont capables de combler ou de saturer notre identité, y avait-il une vraie possibilité où pourrions-nous combler notre identité? Car, selon Patricia, si l'on pense d'un point de vue phénoménologique, nous serions toujours en train de combler cette identité, n'est-ce pas? Alors, en effet, l'idée est que l'identité est une sorte de, si vous voulez, d'attracteur négatif. C'est-à-dire, on cherche à rejoindre, c'est une sorte d'horizon, il y a un horizon identitaire. C'est un projet, l'identité. Et donc, c'est un projet qui est utile pour les comparer aux images qui sont diffusées, qui sont construites, qui commencent à circuler dans l'espace social. Mais on a toujours l'expérience de l'écart entre les deux. Et je voudrais suggérer qu'on ne pourra jamais combler cet écart, combler, je veux dire, les vides, cette distance entre les images projetées et ces projets identitaires.
Mais cette dialectique, ce vide qui sépare les images et l'identité revendiquée est le moteur de l'énonciation même. Quand j'ai essayé de décrire l'énonciation, et moi j'ai essayé de décrire la scène énonciative prototypique comme une scène devant le vide. Le vide provoque l'énonciation. Ça peut être, quand je dis vide, ça peut être les silences. Ça peut être le ne pas apparaître, l'idée de ne pas avoir une manifestation publique. Et donc, on se pose le problème, comment construire une image qui pourra circuler de nous-mêmes. Nous sommes provoqués par les vides. Et donc, on cherche, à travers l'énonciation, à construire des liens. L'implication, vous voyez, je parle beaucoup d'implication, parce qu'on est, à travers le discours, impliqué à travailler sur cet écart entre les images projetées et notre identité. Et chaque fois, il y a une sorte de rapiessage, c'est-à-dire de remède. On cherche à remédier à une situation qui est toujours ouverte et insatisfaisante, parce qu'on va continuer à parler. Et même l'enseignant, même, il connaît éventuellement la discipline, et pourtant, il ne peut que continuer à reformuler, à chercher d'autres mots, à faire des paraphrases, à s'autocorriger, parce qu'il y a toujours quelque chose qui manque, qui n'arrive pas à développer, à saturer totalement la relation avec l'objet. Ça peut être dans ces cas l'objet de valeur, je ne sais pas, la discipline, une série de connaissances. Donc, ces vides, cet écart est le moteur de l'énonciation, et en même temps, il semble rentrer tous les temps comme aliment de la nécessité de continuer à s'exprimer. On vise le vide, l'idée de, c'est l'objectif, on veut combler le vide, mais la tentative, le rapiessage ne peut que reconstruire, de faire apparaître d'autres vides, d'autres choses à combler. Et attention, l'interprétation, c'est toujours comme ça aussi. Je commence à interpréter un texte, alors je fais des découvertes, j'ai trouvé des relations entre, je ne sais pas, les rimes de la poésie et certains contenus sémantiques figuratifs de la poésie. Je suis plutôt satisfait. Et ensuite, je dis, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose à interpréter ? Je peux présenter mon analyse à des étudiants, et les étudiants commencent à poser des questions. Et je vois qu'il y a d'autres relations qui émergent et que je n'arrive pas à justifier. Alors, l'interprétation, le parcours d'interprétation est alimenté justement parce qu'on va trouver, objectiver de nouveau d'autres vides. Ah, il y a d'autres écarts, il y a d'autres relations que je n'avais pas vues et que je dois arriver finalement à justifier, à interpréter. Donc, non seulement les parcours d'énonciation est suggéré par les vides, mais aussi le parcours d'interprétation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Éventuellement, Patricia, tu peux me signaler que bon, il y avait un aspect que je n'avais pas retenu ou compris, peut-être. Voilà. Je pense que c'est très bien répondu, je pense. On ne fait pas des questions qui ont des réponses très, dans un sens strict. Ce sont toujours des complications. Nous n'avons plus de questions, je pense, dans le YouTube. Et donc, il y a beaucoup de remerciements. Merci. Et je voudrais te dire que je ne sais pas si tes réflexions sont déjà publiées sur ce propos-là, mais je profite pour réaffirmer que nous avons l'intérêt de transformer les conférences de le séminaire 2021 dans un ouvrage où la réflexion de base, ça sera l'identité, justement. Donc, à la fin de l'année, j'espère pouvoir
on est déjà presque à la fin de l'année, mais je compte pouvoir t'écrire pour qu'on puisse penser à la publication de tes réflexions, peut-être en portugais, car on a un groupe de travailleurs, nos doctorants, nos post-doctorants travaillent beaucoup sur la traduction des écrits en sémiotique contemporain, je peux dire comme ça. Et donc, ça serait très, très bien pour nous de pouvoir te lire en portugais sur ces réflexions, sur l'identité, l'éthos, enfin. Et je tiens à te remercier de ta présence, d'avoir mis un peu de ton temps dans cet après-midi brésilien, mais une nuit européenne, je pense, c'est tard déjà. Oui, en tout cas, oui, c'est tard. Oui. Et nous sortons d'ici, je pense, moi, tous mes collègues, mes doctorants, mes étudiants, les étudiants de Jean, de Arnaldo, un peu plus préoccupés par les problèmes de l'identité, et par ce chemin très sophistiqué que tu viens de nous montrer, qui permet de trouver de bonnes solutions aux problèmes des identités contemporaines. Ce sont, je pense que, surtout quand on pense aux identités d'aujourd'hui, ces identités se montrent dans le discours de manière plus dépliée, plus paradoxale aussi. Donc, nous sommes très, très contents d'avoir ces contributions. Merci beaucoup, donc, Pierre-Louis. J'espère que l'année prochaine, on pourra faire des séminaires présentiels, soit en Europe, soit au Brésil, une fois vaincu la pandémie de la COVID. Merci beaucoup. Je suis très, très content d'avoir ta présence à Araraquara virtuellement. Merci, Mathéus. Merci. Merci de ta proposition. Je serai disponible à vous envoyer un texte. Il y a une partie inédite, des choses, par exemple les schémas que je présentais à la fin. Pas mal de schémas sont des schémas inédits que j'ai élaborés pour cette présentation. Donc voilà, s'il y aura une finalisation éditoriale, bien volontiers. Et ensuite, je veux vous remercier beaucoup pour la patience aussi de m'écouter une heure, pour les questions, pour l'invitation. Et j'espère qu'on pourra continuer notre dialogue, même par exemple à travers le séminaire de sémiotique à Paris, qui sera en formule hybride cette année. Donc, on pourra continuer à échanger en distanciel, aussi à poser des questions, à faire des interventions en distanciel. Voilà, c'est une manière pour dire qu'on peut garder les liens, maintenir les contacts. Et continuer la réflexion ensemble. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.